Eh bien, salut à tous. C'est. Bonsoir à toi avec Kiko Pipik. Pour mater le Cudico. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. C'est parti. Tu crochettes ou je crochette? Ouais, tu crochettes. Ça, je te regarde. Moi, je fais tout. Là, par contre, tu crochettes le bas de la porte. Si t'inquiète. C'est une technique. En fait, tes cheveux touchent la serrure. T'inquiète. Putain, t'inquiète, je te dis. C'est une. Mais non, c'est une technique. Technique de faire des animations merdiques qui correspondent pas à l'action. Ouh. Toi-même. Qu'est-ce que. Il y a des trucs au fond. Oh, j'ai ouvert un coffre-fort, il était vide. J'ai envie de pleurer. T'es vraiment mauvais. D'accord, bah, j'étais du tâche en moi. Il y a des grosses boîtes. Canette, waouh! J'ai pas du tout envie de mourir, non, non. Oh, il y a des trucs, mais dehors. C'est super. Du coup, là, cinématique? Je sais pas. Non, pas encore. Oh, il y a une grosse boîte. Ah, mais si, oh, d'accord, c'est. Oh. Oui, c'est bon, j'en connais maintenant. C'est vide. Pantalon de jogging unique. On peut entrer chez lui, ouais. On peut tout casser. Non, ça a pas marché. J'ai ramassé. J'avais un truc rouge, je sais pas ce que c'était. Ouais. C'est une sorte de collectionneur ou quoi? Ah, d'accord. Fouille, d'accord. Alors, par contre, c'est le pire logo de truc de. Oh, cet endroit est une vraie porte. C'est pas une preuve. C'est moi où il coupe à la fin de toutes ces phrases là? C'est trop bizarre. Non, c'est en fait, il y avait des objets qu'on peut examiner. Du coup, quand on les examine, il y a une phrase dessus. Aiden, dépêche-toi. Genre, il parle un peu comme ça. Ah, super. C'est un peu bizarre. Il y avait un truc, hein. Je suis trop fort. Voilà un truc. Wow! Ça, c'est le morceau de peau de Lucas, je crois. C'est quoi ce bordel? Oh putain, c'est de la peau humaine! Akon, j'ai trouvé le tatouage qu'ils ont pris sur Lucas. Putain de barjo! Quoi? Ouais, je vais gerber. Dégage de là! On parlera à Ethan et. Pourquoi tu fouilles dans les affaires de ma sœur? C'est mignon, hein? Je savais pas qu'ils engageaient des pèlerins comme gouvernante dans ce trou. Est-ce que tu mues, Barney? Bonsoir, Yami. C'est quoi ce truc? On n'a pas un petit morceau de Lucas pour souvenir de lui, espèce de taré. Va te faire foutre. Donc Lucas, essayé. C'était le chef qui a été tué au début du jeu. Je vais te buter, fils de pute. Oh yes, on peut le tuer. Oh, le sang de la neige. Là, on fuit. Un Golmara. Je sais, non, on il me fatigue, lui. On fuit. Non, Golf fumé. Ah. Attends, je vais faire ma technique spéciale, regarde. Mon binôme. Je trouve vraiment que les combats en 2v1 sont toujours évidents. Ils peuvent rien faire, c'est trop drôle. Imagine si on serait 4. C'est fait. Imagine si on serait 3. Genre avec Poro. Les gars, tu la goules. C'est très beau. Tu l'as failli aimer celui-là? Non, je sais plus. Est-ce qu'il date un peu déjà? Ouais. Que l'écran noir pour s'arrêter. T'inquiète, on est sur PS5, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? T'es cinglé? Et. Il est en train de nous la mettre à l'envers. Ce putain de pèlerin est en train de nous piéger. Qu'est-ce qu'il raconte, Aiden? J'ai trouvé la preuve. Cachée dans tes affaires. Une preuve? Une preuve de quoi? T'as coupé le tatouage du bras du commandant Lucas. Après sa mort? Ou quand il était encore vivant? T'es complètement cinglé. C'est pas moi. Peut-être que c'était pas toi. Mais ton taré de frère. Barney n'est pas un psychopathe. Nous n'avons rien à voir avec la mort de Lucas. Je vais voir Aitor. J'ai la preuve qu'il cherche. Aiden, c'est pas nous. Personne te croira au bazar. Mm-hmm. Peu importe. C'est entre Aitor et toi maintenant. Attends. Je t'en prie. Aitor ne se soucie pas de la vérité. Il se soucie pas de trouver le vrai tueur. Il cherche seulement une raison pour faire une descente dans le bazar. C'est pas ma guerre, Sophie. Non. Mais tu auras du sang sur les mains. Le sang des innocents. Quelqu'un est en train de nous piéger. Quelqu'un d'intelligent. On n'est pas des sadiques qui voudraient dépecer Lucas.
Et tu le sais. Je sais que tu veux te débarrasser des pacificateurs. Oui. Et on s'en débarrassera. Mais pas comme des psychopathes ou des assassins. Crois-moi, c'est un piège. Je vais t'aider à te rendre au centre. C'est promis. Comment ? En me débarrassant du plus gros problème de ce pays. Les pacificateurs. Ça m'a l'air dangereux. On se prépare pour ça depuis longtemps. Je te raconterai tout quand je serai prête. Garde ta radio près de toi. Il est temps de faire quelques changements dans le coin. Donc ça va être ça le plus gros du choix. Son côté ou le côté... bonsoir, Blue. Plaît-il ? Et moi, je préfère être de leur côté à eux. Ouais, mais bon. Enfin, parce qu'il y a des trous ducs des deux côtés, j'ai l'impression. Tu peux pas tellement fermer. Attends. C'est ce que j'allais faire. C'est plus rien. Du coup, ouais, c'est ça, début du jeu. On joue très rarement, c'est quoi ? C'est une fois par semaine, grand max. On a 7 heures de jeu, 7-8 heures. Je sais plus. Au début, on était 3, on a perdu quelqu'un en route. Donc, voilà. Pourquoi on est où, là ? Attendez l'appel de Sophie. Bah, en fait, pendant qu'elle appelle, du coup. Ouais. Y'a pas un truc à côté, là ? Vas-y, je te suis, t'es le chef d'équipe. On est sur PS5, ça rame, super. Oh, pourquoi je te suis ? Faut que t'avances, non, j'ai pas de suivant. Non, mais y'a un point d'interrogation à côté, en fait. À 17 mètres. Ouais. Au-dessus, en fait, y'a un truc en haut, là. Comment on va au-dessus ? Un peu compliqué, là, je sais pas. Attends, viens voir. Je sais pas si t'as le même bug que moi. Regarde, au niveau des piliers, regarde là-bas, je vois un mec qui est dans le vide. Par un zombie, je trouve. Ah oui, tu vois pas. Attends, mais il y a un truc là-haut au niveau du parachute. Ah, mais il y a une corde. C'est beurré. Tu peux ouvrir les yeux, s'il te plaît. Ouais. Tu peux prendre la corde, trou du cul de. Il se fout de ma gueule, hein. C'est pourquoi j'ai tombé, parce que je l'ai pris. Je te reporte. Ah, je suis mort. Appelez la police. Bah, moi, je suis passé, hein. Je suis en train de grimper, du coup. C'est vraiment une morue. Hein. Tu pourras me arriver au niveau du. Merci. Hein ? Tu pourras me heal avec tes heals. Comment on monte ? Je suis en train de me balancer le monde. Oui. Ah, du coup, je suis tout en haut. Hein. Et comment on monte, s'il te plaît ? C'est quoi la manip ? Eh bah, tu passes d'une corde à l'autre. Comment ça, d'une corde à l'autre ? Tu peux pas remonter les cordes ? Non. En gros, tu vas à la corde qui est devant toi, tu te balances et quand tu sens que t'es assez bordé, tu sautes et tu chopes la deuxième corde. Quelle deuxième corde ? Celle-là ? On peut pas remonter la corde. Jamais je vais assez loin. Bon, je vais crever. Mais si, j'ai réussi, c'est bon. Ah non. Jamais je vais assez loin. Y'a une manip à faire ? Non, j'ai pris la corde, je me suis balancé, j'ai sauté. J'ai chopé la corde. What ? Et t'avais au chiot ou quoi ? Ah oui, mais je sais même pas comment t'es monté parce que. C'est escalade pas la corde, après... je sais pas comment tu fais pour monter en fait. Après, une fois que tu chopes la deuxième corde, tu sautes en face, y'a un petit rebord avec des trucs qui te mettent dessus. Oui, d'accord, donc ça passe sans se balancer. Et le mec est allé sur la lune. Et le point d'interrogation, c'est juste un lit. Ah, je pouvais te téléporter, je suis mort. Mais comment on se heal déjà, je crois ? Je sais plus. Ouais. J'avais ma générateur, c'est une safe zone comme ça. Ok. Mais enfin, elle est un peu haute la safe zone quoi. Si on peut pas se téléporter, je vois pas l'intérêt de remonter ici pour se toucher. C'est un peu chiant. Oh, là y'a des trucs à récupérer, y'a de la camomille. Comment ça voyage ? Et qu'on t'appelait pour t'appeler un jour ou l'autre. J'en sais rien, mais il faut vraiment bouger. Je sais pas en face le mec chelou, on peut y aller ou pas ? Ça me paraît un peu compliqué d'y aller. Attends, je regarde ces trucs à côté sur la carte. Jamais on passe là. Y'a un autre. Où ça ? T'es en où ? Face. Comment on passe ? Non, on passe pas en face. Si. Alors, c'est juste pour le décor. Je te dis qu'on passe pas. Tu vas juste moins là. Vas-y, on fait. Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Il a pas sauté. Et on peut pas, c'est du décor, tu vois bien. Bah y'a si, y'a des zombies bon. Dessus. Comment on peut... Attends, je descends. Je me pars d'ici avec la corde, là. C'est pas moins de descendre la corde. J'ai un coffre. Dommage pour toi, du coup. Pourquoi t'as un coffre ? Bah, je sais pas. Comment t'es passé, en fait ? Mais de l'autre côté, pas là où je regardais. Là, je trouve une batterie, c'est une ressource violette. Michel, pourquoi t'es pas monté avec moi ? Pourquoi t'as pris des dégâts là ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je sais pas comment t'es passé, j'ai voulu passer avec la corde, je suis tombé, je me suis fait hyper mal. Aïe, mais quel newbie. Je me soigne. Ça donne pas d'endurance le pantalon ? Et go faire comme moi de péter trois genoux et descendre qu'on avait fouillé des trucs. Hein. Oh non. Pas la peine. Ah si, il faut s'occuper pour un cas à l'autre. Non mais je pense qu'il faut s'écarter en fait, faut pas rester là. Hein. Faut bien, dégager.
con, je trouvais les portes en lui sont nul à chier. Par contre, comment je descends sans mourir en fait? Ouvrir un parachutage. C'est quoi ça? Ouvrir un parachutage? C'est à toi ou à moi? Je comprends pas ce que c'est. Donc là, comment je descends sans mourir? Attends, j'avoue, il y a parachutage, je te permets. Oh, putain. T'as encore un qui va se péter les genoux comme moi là. Ouais, parce que je viens de me cogner au plafond. Bah, je me suicide, hein, c'est un peu sympa, allez, ciao. Hein? T'es vraiment mort, je suis mort. Ah bah oui, j'ai pas cramé des îles parce que le jeu est mal branlé, c'est bon. Lucky, lucky. Je sais pas si on perd des choses quand on meurt. Mais je suis venu à toi pour 13, DP. Bah non, j'ai dit que je mourrais. Ouais, mais j'étais à côté. Bah fallait le dire avant en fait, t'avais un parachute. Ils m'ont remis en haut, c'est une blague! Et non, ça bon, fallait pas mourir. J'en ai ras le cul, bah tu me le raises. J'en ai ras le. Je te dirai tout quand tu seras là. Ouais. Dépêche-toi. C'est bon. On n'aura pas fait grand chose pour attendre son appel. Meeting 2. Je viens de. What? J'arrive pas à te lire sur le faire un glisse. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de slide. Venez, oh, pour retourner au bazar. Ah, oh, c'est là-bas, je pète. Allez, cours. On dormira pour celui-là. Ah, ah. Lucky, lucky. Mais du coup, à Yemi, moi je l'ai pas vu le parachute, hein. Je sais pas où c'était. C'est hyper chiant à grimper ces trucs-là. Oui. On est juste un spécialiste du parcours normalement, mais pas de soucis. Y'a pas de soucis. Monte, fais un putain de. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que. Oh là là! Ouf. J'ai trouvé le seul mec qui fait du parcours, mais qui est asthmatique. C'est insupportable. Mais non, mais c'est bon, le mec il peut pas monter une corniche. C'est censé être un spécialiste. Mais on va où là? Il y a des feuilles de barbelés sur ces bons endroits là? Hein? Mais là on va au bazar. Mais je crois que je suis pas passé au bon endroit là. J'ai des barbelés. Je vais crever si j'essaie de sortir. Let's go. Mais que fait cet homme? C'est bon, ça passe. Easy, mon fait. Lucky, lucky. Lucky, lucky. Du coup, attends, c'est quoi la compétence que j'ai débloquée? Augmente votre vitesse lorsque vous franchissez des obstacles. Mais c'est tout seul alors? Santé faible. Tu téléportes ou quoi? En second là. Il rate de téléporter, je le savais. Quel. T'as jamais fini Days Gone ni God of War, pourtant j'ai fait le jeu à 80%. Aïe, mais. C'est quel dommage de pas aller au bout. Les pacificateurs ont plus d'armes, plus d'hommes. Ils nous écraseront comme des vers de terre. Aitor a peut-être plus d'hommes, mais on a l'avantage du terrain. L'avantage du terrain? Mais t'es dingue! Je m'y oppose. Tant que je dirigerai le bazar, personne n'attaquera les pacificateurs. Tu n'es plus responsable du bazar. Quoi? T'es pas un leader, Karl. Ça n'a jamais été le cas. On a perdu des hommes à cause de toi. Des cristaux. T'as failli te faire tuer. Ma mère voulait un bazar libre, pas des esclaves au service des pacificateurs. Je veux restaurer la paix ici. Soit tu m'aides, soit tu pars. Roger, Humphrey, arrêtez-les! Mais qu'est-ce que tu fais? Ils veulent trahir le bazar! Roger! Tu n'as plus aucune autorité, Karl. Tu veux être comme ta mère? T'auras du sang sur les mains, Sophie! Beaucoup de sang! Karl a raison. On n'a aucune chance dans une bataille ouverte. Sophie? C'est quoi ce... Donc, on va commencer par les affaiblir. Qu'est-ce que tu veux dire? On va couper leur source principale d'électricité. Sans lampe UV, Aitor ne peut pas défendre sa base. Ils seront chassés des tunnels du métro et coupés de l'armurerie. Comment tout ça me permet de rejoindre la boucle centrale? Une fois Aitor affaibli, il battra en retraite pour attendre les renforts. Ensuite, tu pourras rejoindre la boucle centrale. Mais d'abord, il faut faire sauter le moulin avant. Et rapidement, avant qu'Aitor découvre notre plan. Barney, rassemble les gens. Soyez prêts. Roger et Humphrey, allez à l'armurerie. Et en ruine. Donnez des armes à tous ceux qui sont capables à faire sauter les moulins. Toi, Aiden, rejoins Alberto et Vincenzo. Ils t'expliqueront le plan. Pas de soucis. Okay. Communauté et liberté.
Ensemble, nous gagnerons. T'as qu'à foutre une bombe aussi dans leur base, hein. Ça ira plus vite. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, Ayame? Je suis une fille au milieu de tous ces hommes. Et en plus, j'ai un prénom de coquine. Ayame la coquine. Pardon? Ouais. Un peu fatigué, non? On peut dormir, s'il te plaît, vu que je me suis pété les genoux 8 fois. Là. C'est pas la bonne. Ah bah du coup... Alors, en fait, comme ça, j'ai le temps de faire mon dab pour Ayame. Mais la caméra elle est tellement zoomée qu'on le voit pas très bien, mon dab. Mais du coup, maintenant il fait nuit, donc pour redormir, faut qu'il fasse jour. Je vois pas de quoi tu parles. Donc ça aussi, des mecs, des vrais programmeurs de jeux vidéo auraient mis l'option attendre jusqu'au lendemain directement. Il refait nuit là. Je crois qu'on a dormi deux fois. Ouais, bah refais tout seul alors. Refais tout seul, j'appuie pas. Petit pépé, je crois qu'on appuie tous les deux et ça l'a fait deux fois du coup. Ouais. Tu vois bien qu'il y a un problème. Hein. Non mais il fait toujours nuit. Non c'est bon. Non c'est bon. Rien à disparaître. Bon ça va, on a dormi un jour et demi. C'est la guerre dehors en fait, ça fait giga. Oui, mais il n'y a pas de place en fait. De quoi est-ce que tu parles? On veut dormir ensemble. Vendre, on peut vendre nos mères, je crois, je sais plus. Oui. Non mais, il est au marché. Les armes, c'est... on peut pas les démanteler, non, je sais plus. Bah, on joue pas assez souvent, en vrai. Tu peux les vendre. On peut pas les récupérer des ressources avec. Non, je crois pas. Et lui, c'est lui qui donne des... Quoi? Hé, hey, Alberto. Je t'entends de... Ta nouvelle protection vaut pas grand-chose. Elle serait plus utile à une coccinelle. Ouais, c'est vachement trop fin. Malotru! Ces coquilles sont excellentes! C'est le top du top! Une armure fabriquée avec les meilleurs matériaux! À partir de... De... Oh oh, j'ai l'impression qu'il est en train de le gonfler! Regarde! Il va pas tarder à péter un câble! Du titane! On a renforcé l'armure à l'aide de titane qu'on a récupéré à la casse. Elles sont plus légères, offrent une meilleure protection. Pas la peine de vous comporter comme des gros cons. Bah, pourquoi il l'a pas dit tout de suite? On verra bien. Ouais. Merci, Vincenzo. T'étais pas obligé. C'était rien, papa. Bah, quant à toi, ces deux balourds ont pris les derniers gilets de titane. Je suis pas là pour ça. Sophie m'envoie. Tu dois me parler d'un plan. Le plan? Mon plan? Carl est d'accord? Carl est d'accord? Tu as entendu ça, Vincenzo? Pas Carl, Sophie. Quoi, on suit le plan d'un... Tu vas m'en parler ou je dois le deviner tout seul? Le moulin avant, on va... Parce qu'il est pas fou, c'est toi? Ah bah il est fou, ouais, du coup. Le grand moulin, oui, il est fou de qui fournit l'énergie du oh fucking... des pacificateurs. Mais d'abord, on a besoin des charges que Jack et Joe ont laissées au château d'eau. Hein? Donc on retourne dans un château d'eau qu'on a déjà exploré pour récupérer un truc qu'on aurait fait. Toutes les lampes à UV du QG des pacificateurs, bah, je trouve vraiment que le jeu est mal branlé par rapport au 1, hein, c'est insane. Bah, les missions sont bizarres. Là déjà avant on est retourné à l'endroit où on a déjà été. Et là on va retourner à l'endroit où on avait tué les deux mecs. Et dans le 1 en fait t'étais vachement confronté à la nuit. Et c'était dangereux, enfin je sais pas, c'était pas pareil. Tu voyais beaucoup, tu sais comment ils s'appellent, les rapaces. Tu sais, là on en a vu que un parce qu'on a fait... On a pas fait attention. Mais tu peux l'esquiver trop vite, je sais pas, c'est trop bizarre. C'était pas pareil dans le... La boucle centrale. La ville était plus sympa, les sensations de... Le parcours était mieux. Comment vous savez que les pacificateurs partiront sans riposter? Quand tu tapais avec une arme, tu tapais pas avec une bite en caoutchouc. Et c'est la seule source d'énergie de la base des pacificateurs. Ouais. Sans ça. Bon, alors faut vraiment crafter sur toutes les armes pour les booster à fond, mais on n'a pas les ressources pour. Mais donc, on doit agir vite avant que les pacificateurs n'éventent nos plans. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ou alors faut franchir un cap pour le fight, j'en sais rien. Mais... Ok, je m'en occupe. Ok, va au château d'eau. On va utiliser les charges avec lesquelles Jack et Joe ont essayé. Faudrait que je regarde un peu le let's play du 1. Préviens-moi quand tu voir au niveau visuel déjà comment ça s'arrondait. Mais... mon pote, pour avoir la meilleure note en philo, il se fumait un joint avant le contrôle. Qu'est-ce que... On savait qu'il y avait Call of. Attends, quoi, je voulais voir si je peux améliorer des trucs. Ah, je peux améliorer l'huile. Je sais pas. Je sais pas quelle hauteur on doit l'améliorer le...
Oh putain, ouais, mais il faut les trophées et tout, c'est chiant. Donc de toute façon, il fallait pas de dégâts, mais pour ce up, faut farmer des mobs. Donc genre là, attends, si je me trompe pas, genre mon épée, je peux la recrafter. J'ai aussi mis les boosters de régénération, le booster d'immunité niveau 2, et mon heal, il est niveau 5. Ok. Les boosters, je... J'ai pas fait gaffe. Ah, mais attends, mais il y a des trucs de feu aussi, comment on... Attends. Comment... Oh, putain. C'est lui aussi qui améliore les trucs des armes ? I don't know. Non, c'est pas lui. Non, lui, tu peux lui acheter les... Ah si, en bas. Donc tu scrolls. Ouais, mais je booste lequel, le feu, j'en sais rien. Ouais. Attends, je regarde juste lequel j'ai équipé sur mon katana. Et je vais me spécialiser là-dedans. MDR. Modifier. Tu prends du feu, tu prends quoi ton amélioration ? Feu ou électrique ? Ça serait bien qu'on prenne pas la même. Aucun des deux. Bah si je prends feu, tu prendras électrique, genre. Oui, si tu veux. Si un jour je prends électrique. Bah c'est bien, ça améliore quand même l'arme, genre le katana, tu vois. Bah pour l'instant, je trouve pas qu'on a besoin, parce qu'on a... Bah je sais pas, je trouve qu'il y a tellement pas de sensation que... Allez, go. Appuie sur triangle en boucle, là. Blablabla. Allez, let's go. Ça donne la gerbe. C'est vraiment beurré. Ouais. Je vais vomir. Encore une fois, je cours. Hein. Tu t'arrêtes pas pour des broutilles. Bah oui, mais j'ai pas de trophée pour améliorer mes trucs. Donc je gagne pas. On en aura dans le. On est que niveau 2. On en aura au fur et à mesure du jeu. Ça, on est que niveau 2. Mais c'est ça, mais alors le jeu il fait 155 heures, c'est quoi le délire hein? Je comprends pas. Mais pourquoi il fait nuit hein? On dirait qu'il fait nuit. Bah oui, c'est crépuscule. Prends électrique. Ah. Entre nous, c'est pour ça. C'est Echo qui prendra le coup de foudre. Tu auras le coup de foudre avec Echo, il nous montre son gros bâton électrifié. Le consentement. Mais c'est pour Yami, c'est pas pour putain. Moi. T'inquiète. Oh. Putain, j'arrive pas. Il y a aussi poison, bien. Mais bon, du poison sur les zombies, du concept, je trouve ça bizarre. Mais ok. Effectivement. I'm okay. On peut pas s'appuyer sur tout en fait. Oh genre, putain, faut qu'on grimpe cette tour de l'enfer. On l'a déjà grimpé en fait, on a fight les deux gogoles. Il s'est passé quoi ici ? Je suis pas bien. Oui. Y'a peut-être pas besoin, on va se faire taper. Je ne peux pas utiliser d'armes ici, ok, bon. Qu'est-ce qui se passe ici ? Les pacificateurs. Ils nous ont fouillés, ils cherchaient des armes. Ils ont pété un câble quand ils ont trouvé nos cocktails Molotov. Ils ont massacré tout ce qui bougeait. On dirait qu'on nous a tendu un piège. Qui ? Et où sont les bombes pour Alberto ? On a réussi à en envoyer. Les coursiers ont fait leur dernier rapport près de Star Square. Puis, silence. Oh putain. À la recherche des bombes, ils sont pas ici finalement. Alberto ? Les charges ont disparu. Je vais à Starry Square, c'est là qu'elles ont été signalées pour la dernière fois. Oh. Oh mon dieu. Exactement. Aiden. Ouais. Sois prudent. Yes. Quelqu'un nous a vendu. Trouve les charges. Ah bon, sans elles, souche, le plan ne peut pas marcher. Je vais faire ça. Quoi par ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh. Faut tuer quoi ? Attends. Enfin, ben, c'est la base d'infecté. Mais un molotov ou non ? On y va. Oh non, on va garder molotov pour les gros mobs. Quoi. Ah, on pouvoir tuer un danger. Ah oui, c'est vrai qu'on est con. Ouais. Allez. Ah, allez, va-t'en, deuxième bête. Ah, the fuck ! Y'a pas une compétence pour auto-ramasser les merdes. Voilà, 3 zombies, 3 vides. J'ai pas du tout envie de crever. Non, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Qu'est-ce que. C'est oh, tellement. On galère à avoir une porte, quoi. La vache de Nigo, c'était un putain de combat. Les pacificateurs ont attaqué ton convoi. Ils ont tout retourné, ils ont fini par trouver les bombes. Quelqu'un les a rencardés. C'est Karl. Et ils ont tout pris ? Je sais pas. Un truc a dû les faire fuir. Quoi ? Où sont les charges ? Hey ? Elles étaient là ? Allez, ils ont peut-être pas tout emporté. Heureusement que les infectés ont rapiqué. Tout le monde s'est tiré.
Les bombes sont sûrement là. Il a l'air bourré lui aussi. Pourquoi ils les ont pas piquées? Elles étaient juste sous leur pif. Quels abrutis. Oh la vache. Oh merde. Oh, c'est bon, hein, ils ont déjà affronté 20 ceux-là. En feu, en poison, en feu. Ouais, dans les. Ah oui, peur. C'est vrai qu'il y avait le truc là à chaque fois. On devait faire des kits spéciaux. Est-ce que. Fouiller les caisses. Ouais. On n'a pas besoin de le tuer? Je pense pas. Après, c'est mieux pour. Oh, il y en a un deuxième. Je fouille quand même. Quoi? Il y en a un deuxième au fond. Je suis à côté de lui. Vas-y, je suis un peu occupé, oh merde. J'ai pas de molotov. Ah! Attends-toi. C'est toi qui fais péter là? Non, non. Ah, je me suis trompé de touche. Oh my god, j'ai jeté un molotov pour rien. C'était mon dernier. Oui, la caisse derrière lui, ouais, si tu veux, pour qu'il est focus par moi. Tu veux pas tuer le gros? Merde, c'est quoi le. Putain! La touche pour faire un dash. Je me suis trompé. Si c'est ça, mais. Ils sont plusieurs. Ah, hein. Non, je peux rien. Okay. Je vais mourir. Ouais, je suis Yolo ou pas? Non, je sais pas. On en a fait n'importe quoi avec nous. Je crois que j'ai une bombe, je vais essayer. C'est quoi déjà la touche pour jeter les trucs? L2? Ah ouais, j'ai une bombe. Mais ils nous l'ont donné la bombe, non? Je sais pas comment l'activer. Elle est posée par terre, je crois que je devais l'activer, mais j'ai pas réussi. C'est pas une mine? C'est pas la détection de mouvement? Enfin, quand quelqu'un va marcher dessus, ouais. Enfin, quand une mine. Ah, je vais essayer de la rattacher. Non, pas un vieux zombie, passe pas dessus déjà. Putain, y'a des. Y'a un deuxième gros minimum. Bon, j'ai répété, je sais pas comment, mais. Putain, je fais pas de dégâts, bordel! Ok, j'ai ouvert une caisse. Et j'ai récupéré une bombe. Hop. J'ai ouvert une autre caisse. Ah, j'ai une bombe. Ouais, j'en ai une aussi. Hop. Barrez-vous. Il reste plus que deux caisses à fouiller. Go, go, go. Hop, j'ai ouvert une caisse, y'a rien dedans. C'est de la merde. On joue les caisses. Hein. Aïe! Je vais sortir mon katana. What? Ah, mais du coup, les deux excuses. What? Et où? J'étais plus là. Il reste plus qu'une boîte à ouvrir. Ok, c'est bon. Tes boîtes ont été ouvertes. J'arrive pas à leur faire. Un peu, je barre. Non, on va les tuer. Ah, ouais, mais on a pas de molotov, ça va être long. On a pas des bombes. Ils sont 3. Hein. Ils sont 3. Hein. Le problème, c'est qu'ils sont 2. Hein. Ah, ils sont 3. Bien sûr. Mais. Ensemble, ils sont 2 là. Ah non, mais t'en ramènes un 3ème. Mais ça me touche, je suis à 8 km! Faut fuir comme des lâches. No! On a besoin d'XP, ah, c'est cassé. La meilleure occasion. J'ai cassé ma meilleure arme. Putain, elle casse les couilles. Comment en tuer un? Ah putain. Mais il se protège en fait. Je vais voir si je peux pas cramer. Il se protège, je fais mon attaque spéciale avec mon arme et il se protège. Ça sert à rien. Il y en a qui est quasiment mort. Ah bon, c'est pas, c'est moi ça. J'arrive pas à bouger, je suis coincé dans un putain de poteau. Oh ! D'où je prends le dégât, il me touche pas le reste. Bah, pareil, je fais deux dashs en arrière, je prends le dégât. Parce qu'il y a un putain de mur. Nique ton bras. Toi, tu vas mourir. Il y en a un qui est mort. Les deux. Non, ouais. Ah, il est pas mort l'autre. J'en mourir. Il y en a un qui est mort. Ok, il reste plus qu'un. Ouf. Putain, mais quand il se protège avec la main.
met un deuxième coup, donc s'il faut. Il met un troisième coup. Saloperie, va. Tu peux te calmer, Michel? Bon, à deux, c'est plus simple. Ah bah oui. Tu fais pas gaffe. Hop. Je sais pas à quoi ils servent, les échantillons de mutation. Je sais pas, je ramasse. Du coup, faut retourner au bazar JPPO. On peut tourner en bourrique. C'est le déluge. Ah ouais, mais moi c'est tombé là, ça s'est calmé. Mais je crois que c'est un peu partout de toute façon. Plus de ouf orage. J'avais des tortues qui flottaient. Oh. Avec tout ça, t'en as tué 3 gros, on a même pas level up, je suis oméga 3. Ah ouais, c'est le début déjà. Je voulais fouiller un peu la zone pour ramasser des trucs. Ouais, je pars au bazar. Putain, il y a un loot, t'en as un peu plus. T'as fouillé les coffres que moi j'ai ouvert? Parce qu'il y a des trucs à récupérer dedans quand même. Il est pas pensé. Du coup je repasse un peu. Parce que moi j'ai un problème de ressources, moi je fais pas trop mes trucs, c'est trop chiant. Vide. C'est où? Les mecs ils font un truc, tu peux interagir avec, il est vide. Parce qu'elle fait pas. À même Star Wars, il y a eu de l'orage très très proche, hein, en mode. Ah ouais, le bruit de l'orage, toi. Oui. Ça, c'était pas le démon Gravon, peut-être? Je sais pas. C'est toi le démon Gravon. Voilà. J'ai envie de bloquer le double saut, voir si c'est bien ou si c'est de l'arnaque. Ouais. Encore un peu long. Voilà, mais je suis Tom Cruise, frère. Putain, le mec il a fait un double saut. L'escalade, là, il est un peu plus là, un peu plus. Non, je te fais des sauts du futur. De toute façon, faut faire des cabrioles, hein, pour... Des cabrioles. Bah, on dit bien comme ça des cabrioles, wesh. Qu'est-ce que ça veut dire quand même? T'es pas un bébé à ce point, hein, Michel. Ouais, d'accord. Bah, y'a Boomer, y'a bébé. Ouais. C'est toi le bébé. Non. Ouf, j'ai un point d'interrogation. Je peux me TP à toi? Oui. Ok. Y'a un putain de point d'interrogation, y'avait un truc. Un groupe de zombies, mais tant pis. Y'a un truc partout, quoi. Ah, j'ai vu tes lunettes, j'ai failli voir. Où est votre père? Qu'il fait? Que voilà. C'est ça. Seulement deux? Les pacificateurs. Cabriole, ça a deux sens chez moi. On a besoin. Oui, mais. Tu dois apporter. Il nous faut. C'était au sens. Je peux rien platonique faire sans. Du nitrate. Il nous faut de l'engrais. Et on pourra fabriquer plus d'explosifs. Les anciens traceurs, ils ont tout ce qu'il faut. Et surtout, tout ce qu'il faut pour fabriquer plus de bombes. Je connais un type qui vit au sommet d'un immeuble. Un ami ou un ennemi, ça dépend. Cillian, tu le connais? Quoi, le pote d'Akon? Oui, Cillian. Je vais t'expliquer comment... Je connais le chemin, merci. Non mais il est alcoolisé, c'est pas possible. C'est quoi ça? Attends, je regarde si je peux, j'en profite quand même parce que c'est lui. Va voir Cillian. Tu peux éviter de passer genre 10 minutes au bazar dès qu'on va au bazar. Je regarde juste si je peux augmenter mon heal, je peux pas. C'est quoi que t'as augmenté toi, tu m'as dit? Oh, les boosters d'immunité et de régénération. Mais tu t'en sers de ça? Non mais je me suis dit que si c'était là, c'est pas une bonne raison. Donc si un jour on a besoin. Non mais c'est vrai, s'ils sont là, c'est qu'ils sont utiles, donc un jour ils me seront utiles. Ouais mais si tu t'en sers pas. Je ah, le marchand pour 1600, si jamais, il vend un giga marteau. Ça t'intéresse pas? Non. 39 de dégâts. Hein. Bon, bah tant pis. T'es où, Michel? Je caresse mon chat. Putain, j'ai lagué pour ouvrir la porte. Même. Parce que ça se trouve, ouais, je sais pas les armes les plus efficaces si c'est pas chez le marchand. Hein. Peut-être que je crave des heals aussi, Michel. Il y a un raccourci, je crois qu'on est sur les heals. Tu te rappelles pas? Oh non. Après j'ai... Ah oui non mais j'ai deux heals, deux catégories de heals. Okay. De toute façon faut que j'en craft. Fabrication. Merde. Munitions consommables, c'est pas là-dedans. C'est dans quoi? What? Comment on fabrique les heals? En fabrication? Bah j'ai que les trucs offensifs.
Hein? Je comprends pas. Ah non, c'est... je suis juste aveugle, t'inquiète. Oh my fuck! J'encrafte 5 et j'arrive. Chut. Ah là, la vie est dure, mais elle est dure. Je peux en crafter 50. Hein. En vrai, donc ça va. Il faut que je rame les plus mauvais d'abord. T'en as quelques-uns des sur toi? Ouais, j'en ai 5 verts et 15 bleus du coup. Ah bah attends, j'en crafte plus, j'en ai que 5. Mais comme après on peut lever la régulièrement, j'ai pas trop envie de crafter un libère. Et... ouais, bon après c'est pour être. Mais lep. Y'a pas une heure d'épisode déjà? Non, ça fait 38 minutes. Et j'ai l'impression qu'on a rien fait. Je sais plus, on a trouvé un tatouage derrière un mur et voilà. Quand tu chronomètes comme ça ton temps de jeu, t'as toujours l'impression de rien faire. Tu peux te coller à la porte, s'il te plaît. Céliane, c'est Aiden. Il y a un zombie, hein. Qu'est-ce que... Bon, Céliane, là. Arrête, hein. Il n'y avait pas un autre moyen d'entrer? On avait des bombes. Extrême. T'es allé voir en haut? Ah, il y a une porte derrière, il y a une porte là où je suis. Mais faut que tu sois là. Toc toc toc. Eh mais arrête. Oh bon, bon. C'est Ico qui a des putains de lunettes de ski moche. Petit pépé. Mais arrête. Oh. Attends, je crochette. Ok. Est-ce qu'on peut te regarder en train de regarder le plafond? Le sol, je veux le plafond. Il est pas là. Il a essayé une porte dégueulasse. Là on était venu au début. Bon, en fait. On peut dormir, bah non mais ça sert à rien. Attends, je suis en train de crocheter un casier. Ah j'avais pas vu. Bien vu. Il crolouche le voilà con. À l'époque tout le monde a p. Ok, le mec s'est coupé la parole. Oui. Je dis les schizophrènes. Alberto, j'ai ton engrais. Vincenzo, je t'entends à peine. Les pacificateurs, ils ont débarqué chez moi. Je peux pas trop parler. Je suis sûr que le traître, c'est Carl. Qui? Carl, le chef. Attends, le mec qui était là. Qu'est-ce qu'il a dit là? Retrouve-le là-bas. Je vous rejoins quand c'est qui Carl? Carl, c'est le mec qui s'est engueulé tout à l'heure, qui était le chef du bazar. Mais traîne pas. Pourquoi tu fais la gare? Ça, il veut quoi lui? Mais eh oh! On est où là? T'as volé leur camomille! Non, oh, prenez pas la camomille! Tiens, j'ai coincé, encore une patrouille! Faudra se débrouiller sans moi! Rejoins mon père! Y'a des. Je vais mourir à cause de. Trou du qui sort du cul, je sais pas qui là! Tu crois que c'est une bonne idée? On n'a pas le choix, Eden! C'est une pièce. Heureusement que c'était des pièces, hein, je me suis encore trompé. Sûrement faut parer sur les gens. Bon, viens. Ouais, il tombe ça. Ce plan représente tout pour mon père. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais. Il est un peu étrange. Et peu apprécié. C'est l'occasion de montrer à Carl, Sophie. Qu'est-ce qui se passe? Tous les autres au bazar, qu'ils se merde, c'est pas le bon. Oh putain, et je suis pas sur le bon. Papa est capable. Ce qu'il peut faire, après ça, ce sera le héros du bazar. Il a toujours rêvé de faire qu'est-ce un truc énorme. C'est justement ce qui me fait peur. On reste en contact radio. Hey. Vincenzo, t'es là? Ah, mais laissez-moi regarder mon inventaire. Oh my god. Je m'embrouille, j'en peux plus. Bon, j'ai rien écouté là. En plus, sur la camomille, mais oui. What the fuck. Je suis un peu choqué. Putain, j'ai pris une compétence, tu sais, quand je commence à faire un sprint, il fait une espèce de dash qui lui consomme de l'endurance. C'est ignoble. Parce que du coup, dès que je commence à courir, bah, il est à moitié essoufflé. Okay. Du coup, jamais prendre cette compétence. Vincenzo, je t'entends pas. Ça paraît une cacahuète. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être avoir un peu d'action. On a un vent d'interférence, ça va dire Michel. Je t'en supplie.
Oh, j'ai ouvert un coffre de voiture, il est vide. Il est... Il y a un truc à 15 mètres, là, je sais pas si on peut le choper avant de... Je sais pas si c'est facile de le choper. Je suis en bas de l'écran. Si. Mais non, c'est loin. Faut aller dans le bâtiment. Ouais. Apparemment, il y a pas de truc. Bon, bah, vous montez, je pète. What the hell, dude? Tiens, fais un. Hello. Ah bah il est là, je vais. Open the door, please. J'ai apporté l'engrais. T'es sûr de pouvoir gérer ça? Bah cool, tu vois. Bien sûr que oui. Et si je n'y arrive pas, je peux demander à Vincenzo. Le moulin à vent provoque trop d'interférences. La radio fonctionne pas. Je vais gérer ça tout seul. Aucun souci. Et t'en es certain? Il m'a tout expliqué. Détends-toi. On va y arriver. Toi et moi, on va y arriver. Il n'y a aucune raison qu'on... Ah! Ce foire? Je te l'ai dit. Il n'y a aucun souci. Les bombes sont prêtes. À toi de jouer. Prends les charges et fixe-les aux emplacements signalés par Vincenzo. C'est ouf. Posez des bombes. Un mec qui a la Parkinson, il est efficace. Par contre, Zenik, tu te rends compte du mot que t'as écrit là ou pas? Oui, exactement. Il a écrit un ninja, il a mis un G. Hein. Tu fais P. C'est pas mal de choses. Hein. Tu fais P. Bon, c'est pas tout à fait ça. Mais... Inhibiteur, let's go. Par contre, ouais, j'ai peur qu'on arrive à une grosse mission là, non? Je sais pas, est-ce que c'est pas mieux de couper ou les places c'est... Ouais, genre, j'en sais rien. Attends, à meilleur coup d'abord. Je pense que je vais prendre plus en ordi. Ouais, je sais pas si je prends de la vie ou en. Je sais pas, d'ailleurs, je suis en train de faire autre chose. On pose deux bombes et on s'arrête avant la troisième. Moi, je prends endurance. Ouais, non, je prends. Ouais, je prends plus quand même. Moi, j'équilibre. Hein. Je sais pas. Ouais, moi aussi. Je sais pas. Je sais pas, bah, autant arrêter maintenant et relancer pour les bombes, non? Ouais, mais non, mais on va en poser les deux. Merci. Mais non, mais je sais pas parce que j'ai peur que ce soit nul, tu vois, pour un début d'épisode de poser les deux bombes alors qu'il se passe rien. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il était pas nul le début d'épisode? Bah, l'épisode entier était nul, mais c'est pas la question. Mais quel effet? Mais non, tu coupes là, c'est plus logique, genre, waouh, on va aller là-bas poser tes bombes. Ouais, on va aller là-bas là, waouh! Ouais, genre, waouh, il y a une super maison, on dirait le château ambulant dans les Ghibli. Au revoir. Au revoir.